fin del match. Yes, yes, yes. Penalty, penalty, oui, penalty. Alors, voilà les règles de Coupe du Monde. Alors justement, puisqu'on parle de Coupe du Monde pendant le mondial, on parle de Coupe du Monde. Les Anglais, on va voir. Pour l'instant, il y a un autre match là. Et c'est bien arbitré, ça veut dire. Voilà nos tuniques bleues qui ont changé de tenue d'ailleurs, qui ont vu les mecs Pancoré. On va manquer sous la direction de Jean-Christophe Loez d'apercevoir la faute sur Makoukoula. Alors qu'il reste 12-13 minutes à jouer dans cette première période, c'est Olivier Quint qui va chercher à le transformer. Olivier Quint, auteur de 3 pénalties la saison dernière en championnat. Théano, c'est en force pour Olivier Quint. Et 1-0. On ne s'est pas posé de questions, Olivier Quint. En force, coup de pied. Coup de gauche. Olivier Quint. Super. Voilà, ça va débloquer un petit peu plus la situation. On reste à savoir si ce sera sifflé comme ça. J'ai un doute, malheureusement, par rapport à la prise des championnats de Ligue 1, de Ligue 2, de National. Écoutez, si l'arbitre a vu ce que nous, on a vu à l'image, c'était clair. Oh, Makoukoula qui est passé. Enchaîné, Alexa à la lutte. Makoukoula ce sera le deuxième, voire le second, sera ça en fin de match. La locomotive Makoukoula était lancée plein champ. Impossible de l'arrêter, si ce n'est en déséquilibrant. Alors, que va nous proposer Jean-Christophe Loez, notre réalisateur, pour voir s'il y a une faute ou non sur Makoukoula. On voit des bras qui s'accrochent, oui, c'est pas une nuit d'épaule contre épaule. Cyprien Danchiou. Regardez les bras, bien sûr, enlève-toi de là, c'est moi qui veux le ballon. Réussir à doubler sur penalty, c'est jamais chose évidente. Est-ce que Olivier Quint va s'y atteler? Le courant gaucher, c'est pas un problème. Il est déjà arrivé, peut-être 65e minute de jeu. Olivier Quint face à Christian Munteanu pour un nouveau pénalty. C'était en force au centre tout à l'heure. Voilà, Munteanu n'a pas cherché en fait à vraiment être gardien de but sur cette action, énervé de la décision de M. Kennec. Peut-être, voir qui a contre-pied aussi. Makoukoula qui pourrait être la révélation nantaise, mais peut-être pourquoi pas la révélation du championnat de France. Il montre 21 buts comme ça. Christian Jean Marco s'est persuadé au bout qu'il était LT. Oui, parce que souvent les attaquants sont soit très bons physiquement, c'est-à-dire pour conserver le ballon, soit ils sont vite, soit ils jouent bien en déviation. Et lui, il a toutes les qualités. On a vu qu'en vitesse.